Bonjour, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que je n'ai jamais faite jusqu'à présent. Je sais pas si on peut appeler ça un tag, mais c'est un style de vidéo qui avait pas mal tourné sur internet il y a quelques années en arrière. À vrai dire, là, à ce jour, ça fait pas mal de temps que je l'ai pas vu passer, mais voilà, j'ai envie de vous le faire aujourd'hui. L'idée, c'est de vous raconter 5 anecdotes qui me concernent. Dans ces 5 anecdotes, il y en a une qui sera fausse, donc je vais vous laisser deviner du coup laquelle des 5 a été tout à fait inventée et tirée de mon imagination. Je vous donnerai réponse dans la barre d'infos. Donc je vous invite à ne pas dérouler cette barre d'infos pour pas vous casser le suspense tout de suite, mais voilà, je vous donnerai la réponse à ce moment-là dans la barre d'infos pour pas faire voilà, durer le suspense trop longtemps. Vu que j'ai pas une très très bonne mémoire en ce moment, je les ai notées parce que j'ai mis quand même plusieurs jours à trouver 5 anecdotes, alors déjà relativement intéressantes, un peu insolites, et deuxièmement, dont je ne vous ai pas déjà parlé parce que ça fait quand même 7 ans que je suis sur YouTube, sur internet, mon blog, etc. Et ben en 7 ans j'ai eu quand même l'occasion de vous raconter pas mal de choses à mon sujet, donc voilà, je les ai notées sur mon téléphone. Première anecdote, je suis ceinture verte de Kung Fu, plutôt j'étais ceinture verte de Kung Fu. C'est un sport que j'ai pratiqué dans mon enfance, de mes 6-7 ans jusqu'à mes 12 ans de mémoire. J'avais commencé par du tai chi et je suis passée ensuite vers le Kung Fu, et voilà, c'est un sport de combat que j'ai beaucoup aimé. Et j'ai fini par avoir la ceinture verte. Je pense qu'obtenir la ceinture verte en Kung Fu, il n'y a rien de complètement incroyable, mais voilà. Deuxième anecdote, je suis née avec 6 doigts à la naissance, donc j'avais un doigt en fait qui sortait ici au niveau de la deuxième phalange. D'ailleurs, j'ai toujours une cicatrice sur le côté du doigt. Il a été coupé à la naissance, j'ai été opérée très très rapidement. Ça n'a pas été une intervention très compliquée parce que cette excroissance en fait ne partageait pas de nerfs ou de vaisseau sanguin en commun avec le doigt d'à côté. Donc j'ai été opérée très très vite à la naissance, mais c'était vraiment un morceau de doigt avec un ongle, etc. Aujourd'hui il me reste absolument rien à part cette petite marque que j'ai sur le côté du doigt, mais voilà, je suis née avec 11 doigts au lieu de 10. Troisième anecdote, j'ai pas fait beaucoup beaucoup de massages cardiaques dans ma carrière, donc comme vous le savez peut-être, je suis infirmière. Je crois que j'ai fait du massage cardiaque sur 4 personnes dans ma vie, en tout cas je me souviens de 4 patients. La première personne, ça n'était pas un patient, c'était un inconnu. J'étais en vacances en Tunisie et il y a un vacancier en fait qui a fait un malaise dans l'eau. On a su plus tard qu'il avait fait en fait un arrêt cardiaque dans l'eau. Et je l'ai massé moi et d'autres personnes qui étaient en vacances à cet endroit-là avec nous pendant de très 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 longues minutes jusqu'à ce que les secours arrivent enfin. Mais je crois qu'on l'a massé pendant plus de 40 minutes. Donc voilà, la première expérience que j'ai avec le massage cardiaque, c'était en maillot de bain sur une plage avec un monsieur qui s'est effondré devant nous. Quatrième anecdote, j'ai passé le code, donc le code de la route 5 fois parce que j'étais pas assidue du tout, parce que je me rendais pas assez souvent aux sessions de code. Quand je l'ai passé à l'époque, vous pouvez pas faire des tests à la maison sur ordinateur, sur internet, etc. Donc il fallait vraiment se rendre dans l'auto-école et puis faire des tests et des tests pendant des heures. Donc j'étais pas très assidue, j'avais pas très très bien lu le livre, et en fait à chaque fois que j'échouais, mon auto-école me réinscrivait tout de suite à la session suivante, mais genre la semaine d'après ou deux semaines après. Donc en fait j'avais pas vraiment le temps de m'y remettre à fond. Et toutes mes économies y sont passées, puisque bien sûr j'ai payé toutes ces différentes sessions de code avec mon propre argent, hein. Mes parents refusaient de me le payer, et c'est bien normal parce que j'avais vraiment qu'à réviser. Et au final je l'ai passé 5 fois, j'ai eu le permis du premier coup, beaucoup de personnes autour de moi ont du mal à y croire, mais vraiment au moment du permis j'ai eu aucun souci, mais le code ça a été une horreur. Cinquième anecdote, je suis née à Poitiers, mais je n'y suis jamais retournée. Je suis partie de Poitiers, j'avais un an ou un tout petit peu plus d'un an, et je suis donc arrivée avec ma famille dans la région d'Annecy, et depuis on n'en a pas bougé. Enfin moi je suis partie faire mes études à Lyon entre temps, mais voilà, toute ma famille est restée installée sur Annecy. Ça a fait d'ailleurs sourire pas mal de personnes le jour de mon mariage, quand le maire a dit nos états civils de A à Z, donc le prénom, les différents prénoms, le nom, etc. Et donc quand il a parlé de moi, il a dit né à Poitiers. Et toutes les personnes dans la mairie se sont regardées, parce qu'en fait très peu de personnes savent que je ne suis pas née à Annecy. J'y suis arrivée toute petite, mais je ne suis pas née ici. Et voilà qui conclut cette vidéo, donc je vous invite à deviner quelle est l'anecdote qui est fausse. Et je vous laisse me dire ça dans les commentaires, essayez peut-être de jouer le jeu juste avant de lire la réponse dans la barre d'infos. Dites-moi ce que vous auriez pensé comme ça de prime abord qui était vrai ou faux. Et voilà, c'est une vidéo qui change un petit peu de ce que je peux vous proposer d'habitude. J'espère que ça vous a plu. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.